Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Pumpkin Jack. La dernière fois, nous avions été transportés par une gargouille dans le cimetière. On continue le level après avoir battu le premier boss. Ah non, ne me dis pas qu'il n'y a plus de musique parce que de nouveau je vais me faire envoyer par une gargouille. Hein. Oh, content de te voir, Jack. Oh. Encore toi? Mais c'est pas vrai! Comment tu fais pour arriver ici avant nous? Oh, secret professionnel! Oh, oh. Bien sûr. Peu importe, hors de mon chemin! Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas aussi simple que ça! Oh, oh. Laisse-moi deviner. Encore un test? Non, juste un service. Ah non, c'est encore pire! J'aimerais que tu détruises toutes ces vieilles pierres tombales. Hein? Mais pourquoi? Je suis qu'un humble petit gardien de cimetière, j'ai plus de place pour installer une nouvelle tombe. Tout est ici pour t'assurer que le monde finisse en ruine et moi j'ai besoin d'espace. C'est tout ce que je te demande, ce n'est pas si difficile. Une fois que tu auras fini, j'ouvrirai le portail. Tiens, t'as qu'à passer par là, je te laisse t'occuper du reste. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me prend pour son homme à tout faire? Ouais, en fait, c'est devenu Evil Dead, quoi. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder Evil Dead Resurrection, un let's play que j'ai fait d'un jeu PlayStation 2. Où là aussi, c'était de l'explosion de zombies et de démons. Mais c'est ma tombe! J'ai foutu le feu à ma tombe. J'entendais presque un dialogue, mais bon. Encore 5, Jack, encore 5. Au moins cette fois on a évité un truc rempli de piques. Plus que droit. Voilà. Jusqu'ici tout va bien, maintenant il va falloir que tu fasses le truc avec ta tête, tu sais. Ouais, mais le piaf, laisse-moi 30 secondes, je suis en train de chercher s'il n'y a pas des secrets. Des secrets? Ouais, mais tu crois pas que t'as déjà assez trouvé comme ça? J'ai pas encore trouvé le vendeur de ce niveau, et si je veux mon armure de squelette, j'ai plutôt intérêt à le trouver, Fissa. Oui, je sais, utilise ma tête, mais putain, mais... STP. Laisse-moi, je cherche des secrets. Ah, je crois que t'as trouvé tous les secrets de ce level, hein. Qu'est-ce que c'est? Toute cette pierre tombale, Jack, allez au boulot! Jim Dupoint. McCuffin. Dwight Farrow. Hector Johnson. William Wilson. Luke Almond. Lea Walter. Harry Johnson. Almond.
McCuffin. J'ai pas vu un autre McCuffin. Si, voilà, McCuffin. Dupont. Smith. Wilson. Johnson. Walker. Ah, voilà, Yoda Dupont. Smith. Johnson. Walker. Smith. Faro. Johnson. Faro. Johnson. Ah bah. J'espère qu'on a réveillé personne, hein. Je suis sûr que la plupart des noms c'était genre des développeurs ou quelque chose comme ça. Oh oh, je te félicite, attends, je vais t'ouvrir le portail. Oh oh. Merci. Étrange petit personnage. Ouh ah ouh ouh ouh. Ça va mieux. Ma cabine droit devant, c'est reparti. Bouffe du plomb. C'est des cartouches de gros sel. C'était un secret, mais putain, qu'est-ce qu'il était visible. Par contre, ça fait quelques niveaux que je trouve plus. Les phonographes, putain, c'était pourtant simple de les trouver, les niveaux précédents. Tyrolienne, c'est la première fois qu'on utilise ça dans le jeu. Ben voilà. Bon, toujours pas de cadeau, toujours pas de...
Et ben celui-là il était dur à cuire. Toujours personne pour... Ah si si, là il y a un chemin. Là il y a un chemin. Un chemin qui mène à rien, c'est super. Au poil. Bon, là au moins il y avait un truc, mais bon... c'est genre visible sur 20, quoi. À un moment... Voilà, ça, ça a l'air d'être le... Ça a l'air d'être un passage secret, pourtant c'est le chemin. Moi j'aurais cru qu'il y avait un truc à faire ici, quoi. Ah, ça par contre, ça, ça a l'air d'être un beau secret, ça. Oh oui, ok, il est beau le secret. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le secret, le secret. Qu'il est beau, qu'il est beau le secret, le secret. Il est le secret, il est beau le cadeau. Il est le secret, il est beau le cadeau. Oh, qu'il est beau. Le secret. Le cadeau. Le cadeau. Ah, il n'y a plus qu'un cadeau et on a la lettre du Père Noël de Jack. Laissez-moi deviner, monsieur. Vous êtes là, le fossoyeur. Ah, tiens, non. Enfin, la cathédrale, hein. Je me demande s'il y a, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, hein. On dirait bien, pas un sorcier, mais bon, un archiviste. Et vu les lumières qui émanent autour de cette bâtisse... Oh, le cadeau! Cher roi du gras, donne-moi mon corps maintenant, ton regrettable Jack. PS, c'est qu'un détail, mais plutôt un corps de droitier, s'il te plaît. Ils essaient que tous ces... C'est des monstres ou... Je vois. Le pilier tout là-haut, si seulement tu pouvais voler. Oh putain, je parie que c'est le chemin. Je parie que c'est le chemin pour... C'est même pas un secret. Laisse-moi deviner. Vous allez dire dans les commentaires pourquoi t'as été monté là-haut alors que... En fait, rien péché de l'orgueil, on n'y est pas. De la foi. Oui, mais c'était une référence vraiment très exagérée. Sans deck, même moi, j'aurais pas osé. Donc, il va falloir que je récupère tous les péchés, c'est ça? J'ai même pas encore parlé au gars, j'ai déjà le péché de l'orgueil, tu vois. Méca chevalier. Oh bah te v'là toi. Je te cherchais partout. Oh Jack, tu me suis ou quoi? Ne prends pas tes désirs pour des réalités, espèce de dépravé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne se voit pas, je déterre. Des cadavres, bien sûr. Oui, alors ça te dit de changer d'apparence? J'ai de nouvelles peaux en stock, juste pour toi. Je pourrais choper le corbeau direct, hein. Sans passer par le squelette, hein. Allez. Oh, c'est pas mal.
Et avec ça, je pourrais même me prendre le cow-boy. Allez. Le cow-boy n'est pas très beau. Hein. Je tiens à le dire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Comme quoi, le farm... Il y a des hiboux. Sois le bienvenu dans ma cathédrale, Jack. Et t'es qui, toi? Je suis l'architecte des enfers. Mon maître m'a donné pour mission de t'attendre ici. Je vois. Et j'imagine que tout ça, c'est ta façon de passer le temps. La cathédrale était déjà en ruine quand je suis arrivé. Je considère que mon devoir de préserver sa majesté. Oh putain, cette voix, ça donne envie de dormir. Remarque, un hobby, c'est bon pour le corps et... les corps, dans tous les cas. Dans ton cas. En tant qu'architecte des enfers, je suis responsable de l'ensemble des constructions et de la maintenance des infrastructures. Ma capacité à me dupliquer me permet d'accomplir les tâches qui incombent plus facilement. C'est très pratique. Ouais, ben, en tout cas, c'est bon, je suis là. C'est quoi la suite, l'architecte? Où est ce fichu sorcier? Il est venu ici il y a quelques jours, nous nous sommes salués, et il est parti en empruntant un portail. J'ai trouvé un moyen d'ouvrir un portail similaire qui devrait te permettre de le retrouver. Parfait! Enfin, quelqu'un d'utile. Qu'est-ce qu'on attend, du coup? D'abord, tu vas devoir... Oh, c'est pas vrai! J'ai parlé trop vite. Un portail requiert de l'énergie, Jack. Le sorcier peut utiliser sa magie, mais nous en sommes et nous devons improviser. À divers endroits de ce cimetière sont érigées des statues qui renferment les pouvoirs des sept péchés capitaux. Détruis-les toutes pour libérer leur puissance et je pourrai ouvrir le portail. Détruire des statues, ça me botte. Montre-moi où je dois aller. Tous les endroits où il y a une lampe. Déjà, il y en a une là-haut, mais tu l'as déjà récupérée. Une statue renfermant le péché de l'orgueil se trouve en haut de la cathédrale. Le reste des statues se trouve de l'autre côté de ses ports. Bonne chance, chevalier. Que brûle ton cosmos. Tâte-toi, Jack. Chaque instant qui passe renforce le pouvoir du sorcier. En tout cas, on n'a plus de cadeaux à trouver. On n'a plus qu'à des squelettes têtes de piaf à trouver. Hein? Ah, c'est vrai. Vous êtes tellement insignifiant que je vous avais pas vu. Alors, on a eu l'orgueil, ça, c'est quoi? La colère, ok. Une place à faire soin. Il reste encore 5 statues à détruire. Oui, mais en fait, ce niveau, c'est le niveau de récupère 5 machins. Détruis 5 machins. Détruis 15 trucs. Pulvérise 20 bidules, c'est ça? Ah, ce sont des faux crânes de piètre qualité. Je suis sûr que dans le tas, il doit y en avoir un de doré. Putain, l'avarice me perdra.
statue enferme le péché de l'envie. Ah, l'envie, pardon. Et merde. Tiens, moi qui ai envie de maroufler le jeu, quoi. Ah bon, on dirait que ça fait disparaître tous les faux crânes. Envy, dis-moi oui. Ah non, pas encore. Ah non. Oh oh, bonjour Jack. Oh non, tu peux oublier, espèce de crapaud. Je ne compte plus faire aucun test, ni aucune faveur, ni pour toi, ni pour personne. Depuis le début de cette mission, je passe mon temps à courir dans tous les sens et j'en ai marre de dire ces amours de toi toutes les 10 minutes. J'en peux plus, je dis stop, je vous demande de vous arrêter. Très bien, si tu le prends comme ça, j'imagine que tu tiens pas à ce que je t'aide à traverser le chemin. Oh oh, rassure-toi Jack, je plaisante, bien sûr que je vais t'aider. Tu voulais savoir comment je fais pour me déplacer dans le cimetière, pas vrai? Ouais, ton secret professionnel. Eh ben, je vais t'en faire une petite démonstration. Allez, Abelard va chercher. Oh non, putain, pas encore. Eh oui. Putain, mais c'est musique de Flappy Bird. Ah non, je pensais que c'était musique de Angry Bird, mais non, c'est... Est-ce que ce gros tas de pierres... Où est-ce que ce gros tas de pierres nous emmène? J'en ai assez, je commence à avoir le mal de l'air. Aïe, je suis à l'oiseau. Pour information, c'est à cause de ce genre de choses que je déteste les gargouilles. Je crois que c'est l'hymne à la joie ou quelque chose comme ça. Ta-da. Laisse-moi partir, fils de gros crétin. Ça va, c'est quand même le truc le plus confortable qu'on ait fait depuis le début de la game, quoi. Tous les autres trucs de déplacement, c'était vraiment de la grosse merde. Oh, ça m'a jeté le ciel à partir d'oiseau, on met des orangères dans ton genre. La luxure. Je pense que ça a quel rapport avec les putains de piaf, mais bon. Encore trois statues. En tout cas, j'arrêterai, je sauvegarderai avant de continuer, quoi. Bon, je n'ai pas plus. Est-ce que j'ai 5? Est-ce que j'ai récupéré 5 depuis? Non, j'en ai que 2. Parce qu'en fait, il me manque 35 pour avoir tous les costumes du jeu, quoi. En tout cas, ça fait très guerrier de l'apocalypse, cette tenue. Bon, il reste plus que la gourmandise et la paresse. Cartman, Eric Cartman, Daenerys Smith, Figgis the White, Wayne, Krieger. Putain, mais c'est des références à Archer. Leonidas Snow, Wayne, Sterling Archer. C'est Sterling. Allez, on boucle les Wayne. Smith, Archer,
Putain, mais ouais, Odor, quoi. Mais regardez, Robin Baggins, c'est tout des références. Tony Doo, Clark Parker, Peter Parker et Clark Parker. Samwise, Cartman, putain, mais... Je dis pas les refs, hein. Je dirais pas les refs, c'est à vous de les trouver. But Archer... Tyrone Archer. Shut up, loser. Lana Snow. Lana! En plus, c'est même pas Lana, c'est... Lana! Gandalf the White. Il est où, the White? C'est pas lui, the White? Non, ça, c'est Smith. Figgis, the White. Token, the White. Mais je suis pas blanc. Odor Parker. Robin Baggins. Figgis. Docteur Figgis. Alors que c'est Docteur Krieger. Putain, Figgis, tu fais chier. Cyril Krieger. Smith, Doo, Stark, Doo, Baggins, Smith, Pam Smith. Ah non, mais celui qu'on fait ce jeu, ils sont fans de Archer, on dirait. Krieger, je me disais bien que j'avais déjà vu Krieger quelque part. Et les Stark. Ah non. Frodo Baggins. Gildo Schwaggins. Du coup, la dernière tombe est forcément celle des Stark. Eh ben Jack, tu as complètement détruit le cimetière, bon travail, enfin je crois. Ouais, mais en même temps c'était des références. Eh bien Jack, tu as complètement... Il s'est pas servi d'une clé ce type. Et c'est quoi celui-là? La paresse. Bah, c'est vrai que c'est un peu de la paresse d'avoir réutilisé deux fois le même jeu, quoi. Et donc là, c'est la gourmandise. Jack, comment oses-tu? Péché de Baris. On aurait peut-être pu revendre des objets. Bien joué, Jack. Nous sommes presque... Ah, c'est d'accord, il en manquait. Ouais, c'est parce qu'il y avait que 5 statues. Je viens de comprendre pourquoi. Oh, et on l'a trouvé. Oh oui! Attention, vous êtes prêts avec ma nouvelle tenue? Spooky, 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 putain, mais il a le groove, Jack, il a le groove.
Ça veut dire que si j'avais tout dépensé à la boutique de l'autre con, j'aurais pas pu terminer ce level. Non mais vous êtes sérieux? Ah quoi que non, ça sacrifie des trucs que j'ai déjà en fait. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est? Son ventre. Et voilà. Et merde. Ok. Et voilà. Bugué. C'est vrai qu'il est bugué. Hein. Ouais bah je suis désolé mais là il est bugué quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok c'est bon. En plus j'ai pas du tout compris ce qu'il fallait que je fasse dans le... Dedans, lâche-toi. Voilà. Sa tête est en fait une espèce de matière gélatineuse, elle est impossible de manager. Ah merde.
Voilà, qu'est-ce que je disais? Y'a pas d'autre issue, Jack! Matière gélatineuse, on appelle ça du slime dans le métier. Allez, ramène-moi des vagues. Voilà, vous voyez les vagues qu'il fait? C'est le nombre de vagues qu'on va avoir en confinement. Putain, sans issue, Jacques, saute! Tiens! Jacques, ici! Tu es parvenu à vaincre Gourmandise! Excellent travail, Jacques! Cette statue a enfermé le péché de Gourmandise, maintenant je meurs de faim! C'est la dernière, Jacques! Allons parler à son salé d'architecte! D'accord, nous irons parler à ce cinglé d'architecte dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil à plus.